Hey! Oh! Salut la gang! Bienvenue à une deuxième saison déjà de Rocket League avec UDM. Hey, first time chat de Joka RL. Merci, merci pour le chat. On a des gens qui sont de retour. Hey, allez UDM, ça là, c'est un fameux second chat. On ne peut faire mieux. J'ai des nouveaux followers à souligner depuis notre dernière prestation, la saison dernière. On a Master of Sword qui nous a suivis il y a un mois. Ah, et ça ne va qu'en s'en suivant. J'ai encore plus de noms qui s'ajoutent, c'est ça que j'aime voir. Ensuite, j'ai Canon2425. Merci pour le follow, Canon. Eerie1 ou Eri1, merci pour le follow. Ça, c'est à 14 minutes, donc on se rapproche. Kazan0, merci Kazan pour le follow, il y a 3 minutes. Smallcatou, j'aime le nom, il y a 2 minutes. Merci pour le follow. Ensuite, Dan Dragon One, merci pour le follow. Dan Dragon, bien sûr, bien connu pour ses exploits dans League of Legends. Et JokerRL, qui vient de nous suivre ici. Alors, merci tout le monde pour les follow. Il est 7 h, le match est déjà en attente pour le match de l'équipe Challenger, c'est-à-dire l'équipe qui comporte les joueurs suivants. Alors, les voici. On a Kinghead qui sera sur le banc aujourd'hui. En cette saison, on a un joueur de plus par équipe, un sub si vous voulez. Donc, les trois qui seront sur le terrain, qui représenteront l'équipe, alors que je salue Trap Clap qui se rajoute de la partie. Merci pour le follow. On a Captain Polo, notre représentant français, bien sûr, de l'équipe. On a Kimo qui y est. Et on a Sim the Goon, bien sûr, le capitaine, celui qui a créé pour nous la fameuse infographie que vous voyez, hein, ceux qui sont des adeptes de longue date. Hein, qui ont regardé les streams de la saison dernière, vous avez remarqué, l'infographie est nouvelle et franchement d'excellente qualité. Donc la voici en pleine forme. On a les pogs, on a les let's go dans le chat. That's what I want to see. On a un let's go chemo. Effectivement, on le voit ici dans le chat qui commence à apparaître sur l'écran. Je vais enlever l'option pour que le chat se mette sur pause. On veut les voir, ces pogs-là. Pause chat. Hold alt key. Voilà. Alors, on va les voir, le chat. Je suis poggerisé par ce line-up. Effectivement, ça me donne l'occasion de parler du petit nouveau dans la gang. Hein? Le petit nouveau, Kimo. Kimo, bien sûr, dans l'alignement. Juste m'assurer tout le monde dans le chat, vous m'entendez bien là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que tout de suite, le premier match commence, mesdames et messieurs, sans plus tarder. Kimo, je viens de son griser un peu. Oui, effectivement, c'est en raison de mes écouteurs. J'ai pas un micro dédié cette fois-ci, donc mes écouteurs sont un peu surchargés avec le son et le mic. Ça va se régler la prochaine rencontre. Si ça devient trop perturbant, je peux essayer de peut-être faire quelque chose. J'ai essayé pendant 30 minutes avant le stream. Mais bon, dites-moi si pour l'instant c'est tolérable. En attendant, on a Kimo à plein centre de terrain qui lobe le ballon et qui prend la défensive au dépourvu. Mesdames et messieurs, merci Liz. C'est ça qu'on veut. On veut pouvoir entendre de beaux calls comme celui de Kimo qui, bien sûr, voit l'opportunité. Non seulement de marquer un but, mais de saluer son entrée dans l'équipe Challenger ici à Rocket League. Sa première apparition, son premier shift, comme on dirait au hockey, est déjà un but. Donc la chimie est instantanée, mesdames et messieurs. Kimo, en moins de 2 minutes, rend le match 1-0. Kimo, un beau jeu en défensive aussi, pour réaliser un clear qui va être renvoyé en terrain de l'UDM par. Oh, que dis-je, renvoyé? Non, c'est une bourde ici. De Marywood qui renvoie dans son propre terrain. Sim the Goon pinch et center le ballon. Maintenant le ballon qui valse avec la ligne des buts. Kimo tente un rebond, mais c'est arrêté de la part de Jay Mash de l'équipe de Marywood. Captain Polo tente, ça frappe le poteau à gauche, mais Kimo est là pour le rebond. C'est un arrêt de la part de Jay Marsh encore, qui va centrer le ballon pour un Sim the Goon qui arrive en pleine vitesse, frappe la barre horizontale. Kimo tire un peu à droite. Jake Nader, 12-12, dans les airs.
C'est pas grand-chose, alors qu'on a un 50-50 gagné par Sim the Goon par rapport à Kyello. Kimo assure la réplique, assure une passe au quasi parfaite à Captain Polo, mais il est là pour le rebond. Tire un peu à droite, oh que dis-je, c'était une passe Sim the Goon sur la base transversale. On est passé si près de 2-0, mesdames et messieurs. Toute une prestation en ce moment de nos joueurs. Toute une performance alors que Kimo retraite en zone défensive. Sim the Goon qui rock une nouvelle décale sur son véhicule ici, de qualité, de qualité. Oh, Kimo, quasiment un arrêt miraculeux. Malheureusement, ça va rentrer tout juste sous la barre horizontale. Et c'est 1-1. Il reste 3 minutes au match. 1-1, UDM Esports, Marywood University. C'est Captain Polo qui va prendre les mises au jeu contre Jake Nader, 12-12. J'aimerais commence dans le coin, mais rate le ballon avec un backflip et Sim the Goon est là pour saisir l'opportunité, mesdames et messieurs. Assurez-vous de garder votre filet contre l'UDM, car des open net, on en profite en début de match, dans la première minute. Kimo, sorti de nulle part en milieu de terrain, a marqué un but très très similaire. Sim the Goon vient de lui rendre la faveur. Un fameux bunk, nous dit Time Dragon. Effectivement, les cafouillages en zone défensive de Marywood University dans la première moitié de ce match, ils les pêchèrent. Car c'est maintenant 2-1 UDM. Et que dis-je, que serait-ce 3-1 UDM? Mais non, Kelly s'assure de lancer le ballon juste à temps. Un bon capricieux, un bon dangereux pour Marywood sur le plafond. Ils s'en sortent sans trop de sueur, heureusement. Un petit cafouillage entre Captain Polo et Kimo. Mais bien sûr, ce n'est pas contre UDM qu'on joue. Donc, ils ne savent en profiter à la manière de Sim the Goon et Kimo. On tente un team pinch ici entre Sim the Goon et Kimo. Ça n'a pas pris longtemps pour que ces deux-là se créent une chimie d'enfer. Sim the Goon assure de la pression, tente d'épuiser le boost de l'autre équipe. Ça semble réussir. C'est un 1v1 Captain Polo, mais gagné par Jay Marsh. Alors que maintenant, Kimo, oh, réalise un tir d'un angle quasi impossible qui a failli, mais failli constituer un assuré but du match. Mesdames et messieurs, malheureusement, on est de retour avec Kyello qui est en train de bumper sauvagement Captain Polo. Ça fait en sorte qu'il se retrouve en dehors de son filet alors que Captain Polo assure la réplique, mais Jay Marsh vient défendre son coéquipier. On a vu ici de Jake Nader qui regarde en territoire offensif. Ils sont deux maintenant de la part de Marywood University, mais on renvoie en zone du milieu avec une belle passe pour Kimo qui s'assure de frapper en coin, voler le boost de l'équipe adverse. Et assurer une passe à Sim the Goon qui renverra dans un center et ne peut assurer la deuxième touche toutefois pour Captain Polo qui va forcer le commit de la part de Jay Marsh. Jake Nader tente un peu de shadow defense envers Kimo, se retrouve à faire un center malencontreux du ballon. Kimo réalise un 50-50 assez égal, assez 50-50 et le ballon renvoyé dans les airs sera raté de la part de Kyello. Et repris de la part de Sim the Goon qui en pleine vitesse attaque le coin droit en territoire offensif. Kimo tente un 2v1 dans les airs, ne réussit pas, mais le ballon est de retour sur la palette à Captain Polo. C'est à faire enlever, c'est dans zone défensive maintenant. Sim the Goon, une passe du plafond à Kimo qui suit le ballon, tente à nouveau sa recette secrète du tir en coin. Il réussit presque, il reste 30 secondes et l'UDM a un avantage d'un but. Alors pour s'assurer de bien réaliser la défensive ici, contrôler le ballon, ce que fait Kimo admirablement dans les airs. Renvoie en milieu de terrain. Oh, serre une passe phénoménale pour Sim the Goon. La défensive avait lu le jeu in extremis, mesdames et messieurs. Sinon, c'était un but assuré. Captain Polo renvoie directement sur le capot de Jamer. Ça avait l'air dangereux de cet angle-là, mais bien sûr, Sim the Goon, lui, savait que tout était sous contrôle. Alors que Captain Polo envoie à Kimo dans les airs, devrait juste défaire à Kimo dans les airs qui nous sert quasiment le dunk du siècle à la fin du match. Mesdames et messieurs, un seul match déjà, mais c'est du jeu à couper le souffle. Un 0 déjà. Allons marquer ça tout de suite. Alors, vous voyez la petite barre, c'est 1-0. On rappelle que ce sont des best of 5 en saison régulière.
Alors qu'on peut épier un peu les joueurs de Marywood. On a un Boost Bandit ici, un Established en 2015 et un Season 4 Grand Champion. On va falloir faire attention au Grand Champion. On voyait carry son équipe dans les stats ici. It's a me, Mario, de retour pour la nouvelle saison avec un beau GG. On aime ça te voir. Tu me permets de faire mon accent italien. Alors on attend seulement Captain Polo. Alors qu'on peut aussi apprécier les superbes logos du DM Esports. De Kimo, Captain Polo et Sim the Goon. Oh mon dieu, déjà le trolling dans le chat. Oh non, je me suis mis dans une équipe. Fish, change team. Voilà. J'ai causé la pagaille, mais juste à temps pour permettre à Captain Polo de gagner la mise au jeu et d'envoyer une passe rapide à Sim the Goon dans les airs qui renvoie dans le coin. Jake ne le renvoie mais vers son propre territoire, alors que Captain Polo sert une petite passe sur le mur à Sim the Goon qui continuera à appliquer la pression. Le boost n'a pas respawn dans le coin, donc il faut s'attendre à ce que Marywood ne puisse tenter grand chose en manière d'attaque. Effectivement, on avait très peu de boost. On a tenté le demo play sur Sim the Goon qui a évité ça comme un danseur de salsa. Et le temps, bien sûr, de le dire, Kimo célèbre avec le véhicule de côté. Quel but, mesdames et messieurs, un tir d'un angle qu'auparavant je n'avais vu que dans les training videos de Musty Cow. Vraiment un joueur de haut calibre qu'on a réussi à recruter en saison morte. Et on le voit déjà porter ses fruits, alors qu'un démo va mener quasiment à un but de Marywood. Marywood qui trouve le poteau, heureusement pour l'UDM, alors que Captain Polo carry en zone offensive. On a un Yepo Pierce dude, Yasin 153, qui de manière quasiment prophétique nous annonce que le prochain but du match en sera un de Kimo, mesdames et messieurs. Alors, ceux qui sont des OG fans et qui se souviennent de Dude l'année dernière dans Rocket League qui avait un nom écrit avec 2-0 vont remarquer à date que nos grands talents en mécanique, Kimo et Dude, ont en commun ce 0 qui remplace le O. Alors, si vous voulez améliorer votre jeu dans Rocket League, peut-être remplacer une de vos voyelles par un 0. Qui sait, ça semble être commun. Kimo à nouveau contrôle le territoire. Kimo et Sim the Goon démontrent toute une complicité ici. Ah, je vois E-Dude qui nous dit, c'est un lol dans le chat. Toi, E-Dude, moi, je vois 2-0 dans ton nom et c'est formidable. Sim avait dit qu'il était GC2, GC3. Effectivement, si tu parles de Dude, je crois que tu es sur le bord d'être SSL et la même chose pour Kimo est un GC. Et Sim the Goon aussi, à faire très bien, un tir d'un angle impossible lui aussi. Ça c'est du humble talk, oui effectivement. Alors que Kimo, qui semble jouer la position centre de terrain, on semble avoir développé sa stratégie ici. Pas pour donner des idées à Marywood University. Déjà 2-0, Captain Polo tente de répliquer la magie de Kimo. Sim the Goon, backshot à Kimo sur le mur qui renvoie à Sim the Goon, mesdames et messieurs. Un tic-tac-toe d'enfer qui rate de peu, mais assez, bien sûr, pour embouteiller en zone défensive Jay Marsh, Kello, Jakenator 12-12, qui n'ont plus de boost et qui n'ont plus grand temps pour se débarrasser de ce ballon en territoire défensif, ce qui semble être fait par Jay Marsh, alors que Captain Polo savamment renvoie le ballon au coin. C'est poursuivi par Jay Marsh, qui omet d'aller chercher le boost. Qui va mener bien sûr à Kimo qui lui avait judicieusement cherché le boost. Il en connaît la valeur et il sort bien sûr du ciel son beau boost qui complète le decal de son véhicule et célèbre bien sûr comme il sait le faire avec un peu d'éclaboussis d'eau sur le terrain. On a déjà une demande en mariage pour Kimo qui sort dans le chat. C'est un record. Saison dernière, après, je pense qu'après deux matchs, on avait les chants Kinghead MVP. Et là, après un match, on a les chances, fais-moi des enfants, Kimo. Alors, Kimo qui vraiment imprègne, et c'est le cas de le dire, de manière littérale et figurée, les esprits de nos joueurs.
Et on se bat déjà pour Kimo dans le chat. Incroyable, mesdames et messieurs. Kimo qui montre aussi que c'est bien joué la défensive. Hein? Mais ne donnons pas tous les lauriers à Kimo, car Captain Polo nous montre que lui aussi a un goal explosion quand même esthétique. Et son air control, on le voit ici, changer de direction de air roll. Un but pour l'UDM qui en fait déjà 4-0. Solbo, first time viewer. Hey, merci pour le chat, Solbo. Et Pluto, qui a une minute, nous a suivi sur Rocket League, nous a follow. Merci pour le follow. Est-ce que Sim de Goon va se rajouter de la partie? Et oui, mesdames et messieurs, les trois joueurs de l'équipe ont marqué. Et Sim de Goon, fidèle à son nom, qui démolit un joueur de Marywood après le but, alors que c'est 5-0. Ose-je dire Savage? Je le ose-je. Alors, c'est 5-0 UDM. 1 minute et demie dans le match, alors que Kimo gagne avec un fast kick-off sa mise au jeu. Canon 2-4-2-5 qui sort un de ses mots préférés. Génocide, nous dit-il dans le chat. Et Destruction rajoute Tan Dragon. Alors, Kielo reprend le ballon en milieu de terrain, alors que Sim de Goon envoie un tir sur le filet qui est arrêté par, je crois que c'était Jackinator, mais cela ne dissuade pas Kimo qui tente son tir en coin avec un sourire en coin, on l'imagine, son tir préféré. Captain Polo, un dégagement qui va forcer J-Mosh à utiliser son boost, tente de répliquer et tente ensuite le boost pour distraire Jackinator alors que Sim de Goon aurait eu un filet désert, mais c'est correct. UDM for the win. Effectivement, ça semble être le cas. Jackinator 12-12 a de la difficulté. Sim de Goon dans le coin joue son style de jeu bien connu. Physique, rude. Et Captain Polo, sert-t-il une passe? Oh non, plutôt, oh, il déjoue un joueur avant de passer à Kimo. Malheureusement, Jackinator 12-12 avait bien lu le jeu. Alors que Sim de Goon s'assure bien sûr de préserver l'avance de 5 buts. Faut bien que quelqu'un le fasse. Kimo aussi nous montre qu'il n'est pas en manque de manière défensive. Ce n'est pas un Mike Hoffman, mesdames et messieurs. Rassurez-vous. Un dernier arrêt peut-être pour Captain Polo. Oui, effectivement, était-ce un démo de tenter en face de son filet par Kimo? On ne le saura jamais, car déjà un tir qui rate à la gauche, mais avait la puissance usuelle, alors que Sim de Goon renvoie ce qui aurait pu être un tip-in final. 2-0, mesdames et messieurs, déjà dans cette série. Alors que Kimo nous montre une performance de 3 buts. Ça sera le premier tour du chapeau de l'équipe. It's-a me, Mario 999. Nous fait déjà son call. 3-0, un sweep. Est-ce que ça sera le cas? Il faudra penser que Marywood University sortira en pleine forme, en pleine force. On n'aime jamais ça se faire balayer. Surtout pas contre une équipe qu'on joue pour la première fois. Mais ce n'est pas l'équipe de UDM de la saison dernière. C'est une nouvelle équipe, un nouveau joueur, et Kimo nous montre qu'il a sa place dans cet alignement. Joka qui semble dire que, effectivement, c'est son bet aussi. On ne sait jamais. Les underdogs peuvent nous surprendre, alors que je ne ferai pas la gaffe de me mettre auto cette fois-ci. Contribuer à ma manière. Oh, alors qu'on joue le tout pour le tout chez Marywood ici. Et on a sorti, et là malheureusement mes connaissances de Rocket League font défaut, ce n'est pas la Scarab, mais je la mettrais dans la même catégorie de véhicules hideux que la Scarab. Si quelqu'un peut m'aider avec le nom de ce véhicule-là aux pinces, que c'est l'Odyssey ou quelque chose, celui qui est en raison d'un des jeux de Bionics, Proteus, oui, en raison de leur jeu aquatique avant Rocket League. Et bon, le temps de m'informer de ceci, Kimo nous marque un autre beau splash. Hein, Kimo s'assure de garder le gazon bien vert dans Central Station, alors que Jackinator et Sim de Goon prennent la mise au jeu. En milieu de terrain, Captain Polo rate pour le ballon et ça sera un but pour Kielo 336. Le Proteus porte fruit, mesdames et messieurs. Le Proteus avec le boost de feu, oh mon dieu. Si vos rétines saignent, vous n'êtes pas les seuls. Car effectivement, on tente une tactique d'agression non verbale, d'agression du visuel ici de la part de Marywood University. Et pour l'instant, ça semble porter quelques fruits. Je connais même pas le nom de ces roues-là, mais effectivement, les roues complètent aussi un look des plus hétérodoxes, dis-je.
Alors, Jackenator suit le ballon qui est de retour dans son propre terrain. Kyello va aller chercher le boost dans sa Proteus, mais Kimo nous dit « Get the garbage out of here » et réalise un démo. Le ballon tout poids sera envoyé en milieu de zone. Où Kimo va aller chercher à nouveau. Il est partout. Captain Polo. Ah oui, on me dit d'appuyer sur H, effectivement. Voilà, merci Solbo. Le premier à le remarquer. Tu fais bien dire. Alors, pour les 4 minutes restantes, alors qu'on devra faire un comeback ici de l'UDR, on a un but surprise de la part de Jay Marsh. Les buts viennent alors qu'on est distrait ici dans ce match. C'est quasiment un complot. Ça nous permet toutefois d'avoir une autre goal celebration. On a l'étoile étourdie cette fois-ci. Alors que Captain Polo prendra la mise au jeu contre Jay Marsh. On cheatait un peu avec Jackenator. Rien ne s'ensuit alors que Kimo tente la double touch dans un flip reset. Ah, il n'obtient pas le reset. Alors qu'on center pour Captain Polo de la part de Sendagoon. Le ballon un peu trop faiblement frappé pour Kimo, qui va tout simplement ressaisir en zone défensive. Tenter un flip pour sa balle, premier joueur, et son 50-50 contre le deuxième joueur va être au désavantage de Rocket League, de l'UDM malheureusement. Kimo, par contre, gagnera le sien, le bras de ballon dans les airs. Kello marquera un but d'un angle presque impossible. On voit qu'il prend des notes de la part de la prestation de Kimo lors des matchs précédents. Et la Proteus, mesdames et messieurs, rend ça 3-1. Mais il reste 3 minutes 18 au match. On a sorti les skins de FaZe Clan ici avec Captain Polo. On voit les allégeances dans leur LCS. Kimo et Sindagoon ont joué agressif ici de la part de UDM. On est bien conscient de la scoreboard. Trap Clap nous dit Captain Polo not pushing P. Je ne comprends pas la référence. Est-ce que c'est pour le chat? Je ne saurais jamais. Mais Sindagoon ici nous bloque ce qui aurait été assurément un but de la part de Jakenator. Nous garde ça 3-1. Captain Polo ici se fait dunk, mais c'est correct. On tente un team pinch qui renvoie en milieu de terrain. Pas plus de mal, alors que Kimo va suivre ce ballon dans les airs. Il aime bien sûr les airs, c'est son domaine. Un véritable air Kantas en devenir. Captain Polo dans le coin. Jackenator réalisera pour lui son center. Kimo, jugement un peu la profondeur du ballon, c'est correct. Il réajuste ses lunettes et rien de plus. Alors qu'on tente de centrer le ballon, c'est un peu trop fort pour Jackenator. C'était du côté de Marywood. Captain Polo contrôle sur le mur. Renvoie un beau center pour Kimo qui, ouf, rate de près. Poteau droit, mais oh, continue, rate de près son tir, le ballon est dans les airs, Captain Polo se ressaisit pour jouer de la défensive, c'est sage car maintenant il peut prendre un tir qui toutefois va sur le capot de Jay Marsh, qui tente de le suivre, bat Sindagoon mais ne bat pas Kimo, qui au final pourrait le battre. Sindagoon sagement laisse pour Captain Polo, qui ne pourra que frapper le poteau. Maintenant, Kimo lobe dans les airs. C'est presque trop haut pour la Proteus, mais la Proteus joue vraiment de magique manière aujourd'hui et réussit à arrêter ça alors qu'on est en zone défensive ici. Cela faisait peur un instant, mais c'est correct. Kimo assure le dégagement. Sindagoon lobe dans les airs. Kimo assure un center qui deviendra un tir et deviendra un splash, mesdames et messieurs. 1 minute 30 restante au match. Overtime Team joue et c'est 3-2 en faveur de Marywood. On a les let's go dans le chat, on a les wow et on a bien sûr les Kimo, car Kimo marque son deuxième but du match. Alors Kimo tente de dérober le ballon à l'MVP de Marywood ici, la Proteus. Faudra y faire attention alors que Jay Marsh s'occupe du clear. On tente un center, ça frappe Kello malheureusement. Pas de mal car Kimo est là pour assurer la réplique. Kimo, à nouveau, center, lobe le ballon dans les airs. Ça sera Sindagoon et Captain Polo qui iront et Kimo finira le jeu. Oh mon dieu, quel beau jeu d'équipe ici. On a le lobe dans les airs, complété par Captain Polo avec le deek de Sindagoon et d'un poteau à l'autre. Barin, easy, nous dit Kinghead qui fait son tour. Salut Kinghead MVP. Kinghead, bien sûr, qui aujourd'hui est sur le banc, et bien sûr un membre de cette équipe Challenger, qui est à 58 secondes d'un possible overtime pour gagner son premier match de la saison. Alors,
Marywood tente d'envoyer en zone de l'UDM. On tente de retrouver cette magie protéusienne qu'on avait trouvée en début de match. Malheureusement, elle semble s'effriter alors qu'on s'est rétabli de la part de l'UDM. Est-ce qu'on a mis des lunettes d'éclipse pour éviter de ainsi se faire brûler les yeux? On ne le saura jamais. Toutefois, la Proteus encore vient dérober un but à l'UDM alors que Sylph de Goon se fait tasser. In extremis, Kimo rate de près son 50-50 qui permet au ballon de retourner dans la zone d'UDM. Mais Kimo est encore là. Mesdames et messieurs, je crois qu'il se téléporte. Est-ce qu'on est sûr que Valve Anti-Cheat est présent en ce moment dans le match? Alors, il reste 10 secondes. Jay Marsh envoie un ballon. Ensuite, bump Sylph de Goon. Déjoue Kimo, mais Captain Polo, le français, ne se fait pas déjouer. Il a déjà vu cette technique. Le ballon renvoyé en milieu de terrain. Malheureusement, on ne réussit pas à le toucher avant que ça frappe le milieu de terrain. On a un Captain Polo d'Oisker de la part de Joker RL ici, demandant possiblement à Captain Polo d'augmenter un peu la cadence. Mais on le voit ici, il saisit le ballon dans les airs, ensuite réussit son 50 sur le mur. Il n'est pas en manque. Sylph de Goon, mais un peu de pression, va voler le center boost alors que Captain Polo à nouveau assure une défensive efficace. Il faudra faire attention ici. Sylph de Goon, last man back, a bien réalisé sa rotation. Il renvoie en milieu de terrain alors que Kimo sert ce qui aurait pu être une passe pour Sylph de Goon, mais Sylph de Goon joue défensif. Déjà 30 secondes écoulées en overtime. C'est ce qu'il faut faire. Kimo suit le ballon d'eau en bas. Il réussit pas à le frapper malheureusement alors que Marywood reprend la possession du ballon. Fort de leur logo. Pixelisé. Oh! Et le cas de décès, Marywood, Kimo me donne raison avec un autre but spectaculaire, le corner, réalisé par Captain Polo, qui défère à Kimo, qui réalise un but avec sa roue en avant, à gauche. Kimo MVP nous dit l'MVP lui-même, Kinghead, Lazy dans le chat. Et mesdames et messieurs, qui l'avait dit? Car celui qui l'avait dit avait eu raison, c'est It's-a-me Mario. 3-0, UDM, un match, une victoire, mesdames et messieurs. Et cela en à peine 27 minutes. Ce qui veut dire que dans 33 minutes commenceront nos matchs, alors qu'on voit les beaux véhicules ici. Un fan de BDS hein, qui se tapissait derrière l'une de ses décals. La mienne, par contre, particulièrement hideuse, me donne le goût de revenir à l'intermission ici. Oh! Où on peut me voir? Bonjour, bonjour! Bienvenue à ceux qui ont follow pendant le match. Je dis, bien sûr, Yazin. Je dis Pluto. Et je dis Solbo. Ici, bonjour, la première fois. Je vous salue. Et on a vu toute une prestation de la part de l'UDM ici. Toute une prestation qui mène à un blanchissage effectif de la part de Marywood University. Ah, c'est le cas de le dire. Hein? Montrons nos couleurs. Une victoire, pas 3-2, mesdames et messieurs, pas 3-2. C'est une victoire 3-0. Voilà, 3-0, UDM contre Maryville. Kimo le tryhard avec la Fennec. Effectivement, l'un avec la Fennec, les deux autres avec l'Octane et le surprenant Proteus dans l'équipe orange qui aura quasiment donné un nouveau souffle à son équipe. C'est quasiment comme retirer son gardien hein, dans la Ligue nationale. Ça fait peur, ça décontenance certainement. Ah, les commentaires esthétiques. Moi, je préfère donner tous les louanges à nos joueurs qui nous ont offert une prestation de toute beauté. Ah non, ça Harry, ça c'est pour OnlyFans seulement. Hein? Ça va te coûter 12$ mensuellement et là tu pourras avoir ton fil. Ici c'est family friendly car c'est UDM. Et UDM, parlant de family friendly, ben devra maintenant aller mopper le sang un peu car c'était une zone de carnage, une zone de génocide, nous a dit Canon un peu plus tôt dans le match. Un peu plus tôt dans la série de trois matchs, car effectivement, 3-0 comme l'avait prévu It's-a-me Mario. Si je me rappelle bien, c'était un premier match gagné par l'UDM 3-2. 3-2 ou dans ses eaux. Deuxième match gagné à plate couture, 6-0 je crois par l'UDM. Et le dernier match gagné en overtime, 3-2 de la part de l'UDM.
Alors, en ce moment, vous allez peut-être remarquer, nouveau cette saison, alors que j'apprends ma gauche et ma droite, on a une petite ouverture ici pour un certain Syndergoon. Ceux qui ont observé, et j'ai de la misère, une chance que je sois capable de me brosser les dents, au moins dans un miroir. Bon, alors, vous verrez le nom de Syndergoon ici dans le coin. Les perspicaces auront remarqué que c'est le même nom qu'un des joueurs dans l'équipe 1. Effectivement, ce joueur-ci, aussi capitaine de l'équipe 1, mais surtout entraîneur de l'équipe 2, c'est-à-dire l'équipe Open, viendra bien sûr nous parler, viendra nous commenter, hein, nous faire du color commentary pour le match de l'équipe Open. Il sera le Marc Denis à mon Benoît, j'allais dire Benoît Brunet, mon Dieu, ça me vieillit ça, à mon Pierre Houde. On l'aura bientôt, je saurai bien sûr l'ajouter lorsqu'il sera parmi nous. Entre-temps, jetons un Where's the Chemo interview. Effectivement, on pourra poser la question à Syndergoon si Chemo est disponible après son match. On sera bien sûr l'interviewer car il a effectué une performance digne de la première étoile. Ça, c'est certain. Mais quand même, il ne faut pas discréditer le fort jeu défensif de Captain Polo qui sait comment se positionner. C'est pas le plus flashé. Saison dernière, le plus fâché était Kinghead et Kinghead va avoir de la compétition hein, cette saison car Kimo a commencé en force. Sim monte ta face big, nous dit Yasin. Ah ben là, il a le droit de célébrer un peu, là, qu'on leur laisse s'éclabousser mutuellement de champagne. Quand même, ils ont livré toute une prestation. Alors que au début du chat, on était au début du stream, devrais-je dire, on était à 39 followers, on est déjà à 48, c'est-à-dire on a dépassé le threshold pour être un Twitch affiliate, ou du moins là, le premier rank, là, pas celui qui requiert d'être verified, mais Twitch affiliate, je crois. Ce qui veut dire qu'après 3 streams ce mois-ci, ou dans l'équivalent d'un mois, on pourra enfin être Twitch affiliate et accepter des dons, alors que notre nombre de followers va augmenter bientôt à 49, car Huge Noob vient de nous suivre. C'est un noob. Mais pas un noob quand ça vient à aller chercher son content de Rocket League, car il sait effectivement c'est quelle est la meilleure équipe dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Ben pour l'instant, c'est possiblement l'équipe de l'UDM, car ils sont imbattus. 3-0, je vous le rappelle, contre Marywood Esports, ici. Hein? Le beau petit cheval avec ses écouteurs, malheureusement, va devoir se remettre au pas. Car son galop a failli. Ce qui me permet de vous présenter, tant qu'à parler d'équipe américaine, Maryville, pour ceux qui s'intéressent à la géographie, c'est l'équipe de Scranton University. Donc il y en a probablement plus d'entre vous qui s'intéressent à la série TV The Office qu'à la ville de Scranton en soi, sauf si vous êtes des fans ardents de Joe Biden. Mais sinon, vous connaîtrez bien sûr la ville de Scranton du fait de la série télé The Office. Bon, c'est le temps maintenant d'aller chercher le logo de notre prochaine équipe. Alors, prochaine équipe, l'équipe qu'affrontera l'équipe Challenger, c'est l'équipe d'Augusta. Augusta, bien sûr, la capitale du Maine, Augusta Esports. Donc, deux équipes américaines pour nous commencer la saison cette année. Vous rappellerez que la saison dernière, on a surtout joué contre des équipes de l'Ontario, ce qui me permet de vous dire que la Ligue, autant la Ligue Open que la Ligue Challenger, ce sont des équipes du Québec, des équipes de l'Ontario et des équipes du nord-est des États-Unis. Vous saurez bien sûr que les équipes du Québec sont en minorité, donc c'est toujours plaisant de les affronter. On a eu la saison dernière, entre autres, un match contre, je crois, l'Université Concordia, si je ne m'abuse. On a eu l'Université québécoise. Cette saison, on ne sait pour l'instant quand ce sera, mais je vous invite bien sûr au prochain match de la saison et au prochain match, bien sûr, de l'équipe. Alors que possiblement Simgoon est présent, juste aller m'assurer que je ne suis pas en train de le perdre ici. Non, il n'est pas encore dans le casting. C'est correct. Prochain match de l'équipe de l'équipe Challenger pour ceux qui la suivent. Québec sont arrivés où la saison dernière? C'est une bonne question. Syndergoon saurait probablement plus le dire que moi. Attends, je peux te faire. Oh, hey, attends, ça vaut la peine pour les deux d'entre vous qui regardent ce YouTube channel-là.
LTTstore.com. Bon, on n'est pas sponsor par eux, c'est certain. Par contre, on a des sponsors maintenant, si vous regardez, DP Solutions. Tu peux faire une pause, je m'en viens vers 7h45. Bon, Sim the Goon qui veut qui faire une pause. C'est certain qu'on m'a dit que j'étais beau. On a même demandé de me déshabiller partiellement, mais ce qui est aussi beau, c'est notre écran de pause cette année. Je vous la présente. La voici, mesdames et messieurs. On sera de retour, comme nous l'a dit Sim the Goon, dans 10 minutes. Appréciez le logo d'introduction, gracieuseté d'un généreux jeune homme, ben généreux, il s'est fait payer sur Fiverr. Alors, le voici. De retour dans 10 minutes, bien sûr, pour interview avec Sim the Goon et ensuite broadcast à deux pour le match de l'équipe de Open.
Alors, rebonjour à tout un chacun. Je vais m'assurer qu'on puisse avoir le fabuleux audio de Simnagoon. Ah, voyez, voyez, il n'y a pas seulement une personne ici dont on veut dérober les pantalons. Bon. On va aller voir Discord. Ah voilà, Simnagoon était muté. Brown, montez ça. Alors, parle-nous de ta suave voix, cher Simon. Est-ce que le chat t'entend? Je ne crois pas. Attends une seconde, mais ça, c'est de ma faute. Quoi de neuf, docteur? On va aller changer ça pour. Ok, j'ai pas. Dernière fois que j'ai fait ça, le son dans mes écouteurs a explosé. On va voir si on meurt tous. Non! Ok, on semble être encore vivant. C'est bon. Ah, il dit qu'on l'entend, mais c'est vraiment doux. Tu peux débrancher ton headset en passant. Qui nous dit ça? Je pense que c'est pour moi. En tout cas, est-ce qu'on Non, entend? c'est pour moi, c'est pour moi. Ah, ok. Il dit que je dois débrancher ça. Mais non, mais c'est. Mais. Ah oui, parce que t'as ton shirt. Ah oui, parce qu'il est bien muni. Ah oui, hein, pas comme moi qui agit à partir, bon, du même élément. Merci, Ouais. merci, Trap Clap. Bon. Donc, il nous reste 10 minutes avant le commencement du prochain match, juste pour m'assurer qu'on ne le manque pas. Je vais présenter le roster de l'équipe 2 pour que Sim nous parle un peu de ses joueurs, ses prodiges, avant bien sûr de revenir à la belle barbe pour parler un peu, pendant le temps qu'il nous reste, de la série s'étant juste terminée, victoire 3-0 de UDM, je le rappelle, entre l'équipe Challenger de UDM et Marywood Esports. Donc, jase-nous de ces trois joueurs et des deux additions cette saison par rapport à la saison dernière. Donc, d'abord, évidemment, on a nos deux revenants en Pandore et l'OGDZ. Donc, ces deux gars-là, ils se connaissent très bien. Ils ont très, très, très bien pratiqué dans les dernières semaines. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec leur chimie. Et notre nouvelle addition pour ce soir, c'est ZBI. Donc, un joueur de talent aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va apporter à l'équipe. Évidemment, il a remplacé Harmonizer, qui nous a quittés, malheureusement, pendant la saison morte. Et Mouchoir ce soir, c'est notre sub, mais il sera pas là. Donc, c'est vraiment les trois principaux qu'on va voir dans l'équipe ce soir. Alors, sortez vos mouchoirs, il n'y aura pas de mouchoirs, mais il y aura le match inaugural de ZBI. It's DZR, first time chat, il nous dit very nul. Je pense qu'il faisait référence à mon jeu de mots qui effectivement l'était very nul. Ton son est vraiment bas, Sim. Mais c'est pas Sim, c'est moi, on va l'augmenter. Continue à nous parler, Sim. Montre-moi, s'il vous plaît. J'aimerais ça parler fort. Est-ce qu'on m'entend mieux, chat? Ça se prononce Zebi? Zebi? Zbi? Non, Zebi? non, non. Ah, c'est-tu en train de me faire avoir par des plaisanteries internes Zébi. ici? Ok, on va l'appeler Zébi. On va l'appeler Zebi? Ok. Je peux-tu l'appeler Zbi juste pour le plaisir? Bon, ok. Non. Ah, fiche. Bon, on va enlever le roster 2 ici. On va nous retrouver.
Ici, ça va être le biscuit chanceux du deuxième match de la journée. C'est le biscuit de ma grand-mère. Donc, fait avec grand amour. Et regarde, je libère cet amour pour toi, cher Sbi. Je m'attends à toute une performance. C'est à ton tour de parler, s'il te plaît. Ok. Donc, prédiction ce soir, mon cher Tiki. Moi, je vais dire une victoire de l'UDM, évidemment. On complète la soirée victorieuse. On a un sweep pour le premier match, un sweep pour le deuxième. Let's go, boys. Je crois en vous. En tant que coach, en tant que broadcaster pour ma première fois ever, ça serait fun d'avoir un petit sweep pour nous autres. Ben vous leur avez certainement montré la manière d'effectuer un sweep. Celui qui passait le balai assez ardemment à vos trois matchs, c'était un nouveau venu, lui aussi, le Zbi de votre équipe. Et ça, c'est bien sûr Kimo. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette nouvelle recrue fulgurante, un véritable Cole Caulfield de l'équipe Challenger, ben Cole Caulfield des séries de la saison dernière? Ouais, ben, je suis vraiment content de sa performance. Je pense qu'il était un peu stressé avant le match, c'est normal. Mais ouais, il nous a montré tout l'étendue de son talent ce soir. Donc, j'espère qu'il va continuer avec nous cette saison aussi fort qu'il est sorti ce soir. Donc, ouais, je suis vraiment content. Puis là, évidemment, on n'a pas vu notre Kinghead MVP ce soir. Mais vous devriez le voir la semaine prochaine, ça c'est sûr. On l'a vu passer dans le chat brièvement, le temps de dire Kimo MVP. Donc, Kinghead, il est pas. Ah, il cède sa place d'MVP. Ben, peut-être seulement quand il est sur le banc. Ça, il nous le dit pas. Mais OK. j'ai eu beaucoup de discussions dans le chat, ben, surtout parce que moi, je connaissais pas le nom du véhicule, mais à propos d'un changement de véhicule, un changement dans le garage de Mary Wood Esports entre le deuxième et le troisième match. On a vu apparaître certainement le véhicule le plus laid à être apparu sur ce stream ici. C'était quoi la réaction sur le terrain quand vous avez aperçu ce que je sais maintenant être la Proteus avec un genre de boost de feu rouillé? Est-ce que ça vous a décondensé? Parce que c'est la première fois que vous avez commencé à perdre dans un match à la suite de cette découverte-là. Habituellement, quand on voit un véhicule de ce type-là, on part plus à rire que d'autres choses parce que c'est pas un véhicule que les pro tryhards vont utiliser dans les matchs de saison compétitive. Donc, on a plus pris ça à la blague qu'autre chose. Mais évidemment, normalement, tu utilises ce genre de véhicule-là quand la situation est désespérée. Donc, évidemment, c'était désespéré pour eux. Ils ont failli nous avoir, je vais pas le cacher. Mais évidemment, notre Kimo chez nous, il a dit non. Et il nous a carry avec 4 buts. Donc, ça lui a pas fait peur à lui au moins. Captain Polo ici dans le chat avec sa grande sagesse mnémotechnique nous dit, et il cite Sim the Goon, wow, il est moche son char. Donc on voit que mon accent Sim the Goon n'est pas très fort, mais la mémoire de Captain Polo l'est. Donc, Pas avoir dit le mot moche par contre, je crois que ça vient de Captain Polo. Probablement j'ai insulté le véhicule d'une façon ou d'une autre. Sa mémoire le traduit. Sa mémoire a censuré le mot pour nous. Donc, mince, j'ai adapté du Captain Polo. Ah, effectivement, c'est le propre de la mémoire humaine, que voulez-vous. Quoi d'autre? C'était quoi les grands? Il y avait bien sûr le fameux but de Kimo. C'était parmi ses premiers. Je crois que c'était son deuxième dans le premier match où il nous a montré là, ce qui semble être l'une de ses grandes forces, ou du moins l'un de ses grands plaisirs dans la vie, là, de faire des angles impossibles à partir. Un genre de double tap sur le mur. Oh, Sim the Goon nous montre le jersey, nous demande Eerie dans le chat. Donc, tu nous répondras de ça, Bon, hein? attends, je vais relever comme ça. Oh, mon Dieu! Incroyable avec, vous avez vu brièvement, le drapeau du Canada sur la manche à gauche. Et Incroyable. l'ancien lobby ici. Ah, ben oui, ben oui. Et le sponsor d'EP Solutions. Voilà. Les muscles nous rappellent Trap. Effectivement. C'est pas juste le chandail qui crée le joueur. C'est le chandail qui crée les flip resets, par contre. Oui, on a vu Kimo tenter un flip reset pendant du moins une reprise que je l'ai remarqué là. J'ai même remarqué On va en voir en souvent, audio. je pense, cette saison-ci. J'ai hâte de voir. Oh, Peut-être même de Sim de Goon. wow. Canon dans le chat qui nous dit Sim the Goon, le vrai fédéraliste. Ah oui.
Bon, Canon est toujours là pour amener le discours politique. Hey, en ce moment, imaginez-vous votre stream qui est habituellement live à partir de la province du Québec est live d'Ottawa en ce moment. Donc, il a fallu que j'augmente le floor de mon mic pour être tellement fort que, genre, tellement haut que vous n'entendez pas le background de genre 2 décibels de klaxons de camions en arrière-plan. Donc, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Je fais ça pour vous. Je brave la tempête pour vous. Je suis dans l'œil de l'ouragan et tout ça pour le contenu, mesdames et messieurs. Oh mon Dieu, j'entends des sons de véhicules. Ah, c'est tout simplement là, le lobby, je présume, pour le prochain match qui se prépare. Est-ce que tu peux me Je vais confirmer ça, commencer s'il à te plaît? créer ça. Je vais Ah. t'inviter maintenant. Sur Steam, je présume? Non, sur Rocket League. Voilà, je t'ai invité. Ah, voilà. Voilà. Alors, le son de Rocket League semble un peu fort. Je vais peut-être le diminuer un peu ici. Allons le diminuer. Oh, on a un premier chat ici. Attends, qu'est-ce qui. First time chat de Shadow. RDDYCBRNEEMNNJKJ. Nous dit Go Yassine. Easy, easy, easy. Ben merci. Merci pour le chat et merci pour la gymnastique orale pour décrire ce nom. Alors qu'on s'assemble ici dans le lobby, on a deux équipes adverses qui semblent être à temps cette fois-ci. Hein, les long-time followers du stream nous bien sûr, nous rappellerons avec tristesse les moments où les équipes adverses se sont pointées plusieurs minutes en retard, sinon jamais. Donc on apprécie la ponctualité hein, de Marywood, même si c'était de la ponctualité. À l'IT pour ensuite mourir. Bon, parlant de ponctuel, allons le voir ce match. Alors, j'ai envoyé l'information à l'autre équipe, ils devraient nous rejoindre bientôt. Legend Arthur, merci. Merci effectivement de nous rappeler que l'UDM n'a pas encore balayé son adversaire. Giro 18, first time viewer, qui nous dit Let's go Air One. Merci pour le view, bien sûr, Gyro. Oh, beaucoup d'amour pour Air One dans le chat. Alors que Legend Arthur croyait être arrivé trop tard pour avoir vu la victoire de l'UDM. Ben non, console-toi, tu vas l'avoir incessamment sous peu. On voit les gens rejoindre les matchs et Zebi qui vient de rejoindre le match ici. Tout le monde semble y être. L'autre JDZ, Pandore. C'est bel et bien toute l'équipe. Ah, oh, de l'amour pour Zbi dans le chat. C'est ça qu'on aime entendre. Et là, il va falloir régler comment qu'on l'appelle dans la description. Est-ce que c'est Zebi ou Zbi, là? Je crois bien que ce soit Zebi, mais je vais continuer à dire Zbi juste parce que ça me rappelle le mot sbire qui me fait tout le temps rire. Parfait. Rire. Ça rime en plus. Mais Alors, il semble que des deux côtés, on attend que l'autre nous rejoigne. pour le official casting, par contre, je peux dire Zebi, alors qu'ici, je vais augmenter desktop audio, je vais réduire un peu sim.
Zvi est en chemin de ELCS. Un champion. Non. ELCS, c'est une ligue de d'e-sports? Une ville? Un concours? Renseigne-nous, Legend Arthur. Et Mr. Bodados, qui semble nous dire que Zebi aime l'air. Alors que le match débute. Oh! Effectivement, Sim the Goon me ramène à l'ordre. Alors, bon match à notre antenne. Oui, bon match à l'antenne de UDM. La mise au jeu est prise par Zebi. Sa première touche sur le ballon dans un chandail de UDM. Pandore réplique avec un dégagement en terrain. Et Zebi renvoie en milieu de terrain un dégagement à partir de backboard pour l'Université d'Augusta. It's Jordan renvoie en milieu de terrain. Tente un tir foudroyant qui sera passé tout juste au-dessus de la tête de l'autre JDZ. Comment as-tu vu ce jeu, Sim the Goon? Ah, c'est malheureux ici. Le ballon arrive plus vite, je pense, que Laurent attendait, mais c'est loin d'être fini. Seulement 20 secondes dans le match, donc pour répondre immédiatement de la part de l'UDM, alors que l'OG DZ remporte son kick-off, c'est raté par Pandore. Le tour de Sawi, qui rate le ballon, c'est récupéré par Zebi. Jordan intercepte, tente une passe, c'est raté. L'OG DZ dégage de son territoire. Pandore, un peu difficilement dans les airs, rate le ballon. Le tir de Jordan, c'est raté, alors que Zebi plonge devant le filet. Est-ce qu'il va pouvoir marquer? Non. Récupère cependant le boost dans le coin. Tente la passe au centre du terrain à l'OGDZ. Le tir s'est raté. Évasif dégage de son territoire. Récupère son boost. Jordan devant son filet. C'est bloqué par Pandore qui repose dans le coin. Sawi, attention, est-ce qu'il est seul? Non, c'est bloqué par l'OGDZ. Et là, c'est une démo en milieu de terrain par Zebi. Zebi vient dégagement. De rejoindre les hauts cieux. Tir de Sawi, c'est raté. Zebi récupère. C'est bloqué dans le coin. Le tir, c'est raté. Et on met beaucoup de pression du côté d'Augusta. Il va falloir faire attention du côté de l'UDM. Là. C'est des joueurs très rapides. Attention, un double commit ici d'Augusta. Jordan, dans le coin. Tente la passe, c'est raté. L'autre, je disais, était bien placé. Dégage vers son coéquipier Zebi. Zebi tente la passe vers Pandore, c'est raté. Oh, attention, Jordan qui faillit marquer dans son propre filet. L'OGZ bloque la passe partiellement. C'est récupéré par Zebi très rapide sur le ballon. Et là, c'est Zebi qui s'envole dans les airs. Passe un peu plus loin vers Jordan. Tente le 50-50, c'est raté. Pandore récupère sur le mur. Beau véhicule, Pandore! Effectivement, on voit qu'on a des véhicules très colorés du côté du deuxième. 3-15, évidemment. Déjà, de ne pas avoir choisi la Proteus est une victoire en soi, une victoire morale. Alors que It's George VN nous renvoie dans les airs, mais c'était une passe parfaite pour l'OJDZ au véhicule coloré. Et Zebi qui sait déjouer l'adversaire pour son premier but de la saison. Alors une tendance ici qui se décrit. Nouveau joueur, premier but, 1-1, UDM Esports, Augusta University. Et Zebi qui profite d'une erreur en défensive, personne devant le filet. Alors, beau but pour son premier en carrière et on espère en avoir d'autres parce qu'on va en avoir besoin. C'est encore 1-1. Alors qu'il reste 2 minutes à faire. Oh, le flip reset de Jordan. Tout un jeu ici de It's George VN qui nous sert quasiment un double flip reset. Un alors but. Pandore dans le chat salue son travail en lui disant beau tir, effectivement. Effectivement, au but de Zebi, c'est le temps quand même de souligner l'apparition de deux nouveaux chatters, Twisty, FX et Abe Dishwasher, venus bien sûr saluer leur idole, Zebi. Alors, Pandore suit le ballon dans les airs, non, préfère aller chercher un boost qui malheureusement avait déjà été pioché par un coéquipier et Zebi récupère dans le coin. Est-ce que Zebi a un Lime Octane ou c'est juste moi? Je pense que Zebi a un Lime Octane. Quel homme! Bon, quel non, homme.
Pendant que moi j'admire son Lime Octane, décris-nous son jeu à... Oh! J'allais dire Oh! décris-nous son but, c'est le gars! Et ça passe ses proches alors que Jordan récupère. On va pas lui laisser l'espace, puis on vient de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec le ballon dans les airs. Des flip reset. Alors que l'OGZ dégage vers son coéquipier, c'est raté. Pendant récupère, l'envoie vers le mur. C'est récupéré par Zebi. Tente le flick, c'est raté. Alors que Saoui s'en va dans les airs. Rencontré par l'OGDZ qui bloque le ballon. L'OGDZ nous dit Get that garbage out of here! Tout un clear. Effectivement. Alors que Jordan tente sa passe vers son quick pee. Double commit ici de haut du ça. C'est repoussé dans le coin par l'OGDZ. Oh attention, un miss. Et l'OGDZ en profite. Tente la passe. La fin devant le filet, c'est raté. Et là, il est sans boost. Tente la passe vers un de ses coéquipiers. Qui arrive pendant des cieux. Le tir est bloqué malheureusement en défense. Là, c'est le dégagement de Wissa. Récupéré par l'OGDZ dans le coin. Se fait enlever le ballon et oh. Le but. Jordan qui récupère avec un 50-50 dans le coin. Oh, l'OGDZ malheureusement qui venait de spawner tout juste sur le ballon. Il est venu lui chatouiller le scalp avant de rebondir dans le coin. J'aimerais souligner Chucky 5264, tout nouveau dans le chat, et Dishwasher Cryo Hack. Malheureusement, on n'a pas d'évidence. On a seulement d'évidence que Kimo hackait lors du dernier match. Mais et sinon, attention, on semble avoir un joueur qui joue pas. Ok. Evasive semblait inactif à la mise au jeu. Là, il est de retour. C'était peut-être une tactique pour apparaître évasive. Bon. Alors, j'aurais pu dire. Alors, l'OGDZ, avec 8 secondes restantes, on tente une remontée de l'enfer. Zebi envoie en milieu de terrain. Evasive va racler ça et redonner espoir aux fans dans le chat. Et c'est pas fini tant que c'est pas fini. 2 secondes à faire. Est-ce qu'on va tenter quelque chose à la mise au jeu? Un trick play peut-être. Et oh! Ça semble bon pour l'instant, le ballon s'en va dans les airs, c'est oh! dégagé par Scoey et ça ah! met le frein au match numéro 1. Alors, Olusa l'emporte 3-2, match très serré, je crois qu'on s'est fait surprendre un peu du côté de l'UDM. On a des mécanismes du côté de Olusa, il va falloir faire attention défensivement. J'aimerais souligner pour ceux qui peut-être jouaient le son de leur stream de manière plutôt forte, si ça sonnait par instant comme de la musique de Sanic, inquiétez-vous pas, c'est en raison de mon pairing d'écouteurs et de micros lors de ce stream. Ça sera réglé, bien sûr, pour le prochain match. En attendant, appréciez votre meme music. Mais au moins, ça ne semble pas avoir d'impact sur la suave voix de mon co-commentateur qui nous a livré du bel insight ici pendant ce match, alors que j'ai tenté de nous livrer... mes meilleures plaisanteries. C'est le temps de souligner quelques followers qui viennent de se rajouter à nous. On a Chuck underscore Y ou Chuck I 5264 et Mr. Potatoes avec certainement le nom de parmi les gens qui viennent de joindre. Et Legend Arthur qui vient nous follow. Legend Arthur nous stream snipe ici avec le follow. Alors je suis obligé de le dire. Et juste comme ça, on est déjà de retour au prochain match. Alors que UDM eSports, de leur ping phénoménal, ont déjà tous join et je spectate. Et nous sommes prêts. Et oublie pas d'ajouter le plus 1 à la victoire de l'autre équipe. Ah, j'essayais de malheureusement avoir évité à rencontrer le fardeau de ce deuil, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, alors Panda ressaisi dans le coin. Saoui se fait dire par le stall sur le mur de Pandore alors que l'OGDZ tente un démo de It's George VN. Ça laisse le filet ouvert, mais heureusement, It's George VN ne saura en capitaliser. Et Evasive, qui semblait en raison de son ping s'être déconnecté à nouveau, a failli donner un but ouvert. Ici à l'UDM, par contre, on n'a pas besoin qu'un joueur s'est déconnecté pour marquer parce que l'OGDZ marque avec la beauté de son véhicule tout seul. Quel beau jeu, c'est le goal. Effectivement, il profite de Saoui qui demeure dans le filet. Peut-être tenter un squishy save, mais trop tard. L'OGZ
le tir puissant vers le coin inférieur droit. Alors que Pandore remporte la mise au jeu. Et oh le but! Mon dieu! On départ de feu pour l'UDM et tout un kick-off de ZBI. Et Panda, le pied de Pandore sublime. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète avec ce goal explosion là. Quel homme! Quel homme, effectivement. Alors que Pandore remporte un autre kick-off, l'OGD est rapide et le but! Oh mon dieu, mesdames et messieurs! C'est 3-0! Alors on semble encore avoir des problèmes de ping du côté des visibles. Très lent à réagir devant le filet et l'OGDZ qui en profite. C'est 3-0, même pas une minute de jouer. Et on va commencer à se poser des questions du côté de Lucia. Là, qu'est-ce qui se passe avec le ping de Invisible? Je sais pas s'ils ont un sub prêt à jouer, mais on va pouvoir faire des changements parce que sinon c'est du 2 contre 3 ici là. Et en toute franchise, 2 contre 3 quand t'as Zebi à confronter aussi, c'est quasiment du 2 contre 4, donc c'est très dangereux. Ouais, Zebi et les deux autres aussi sont pas mauvais. Non, donc, je le sais, mais moi je fais beaucoup de pandering dans le chat parce que je vois beaucoup de Zebi associés à des cœurs mauves. Donc je veux m'attirer la faveur des gens dans le chat. Parfait, alors pendant que tu te fais admirer par Zebi, moi je vais décrire le but qui vient de se produire. Alors l'OGDZ, le pinch et c'est 4-0 pour l'UDM alors que Pandore remporte un autre kick-off. C'est récupéré par Saoui dans les airs, bloqué par Zebi. Et là le ballon rebondit doucement en milieu de terrain. Pandore dégage. Et est-ce qu'il va continuer? Oui. Tente de frapper. Oh, c'est raté. Juste la passe à Zebi. Tire, c'est raté. Et là, c'est récupéré par Jordan dans les airs. Il est dangereux. Tente le reset. C'est raté. Et Saoui dégage. Bloqué par Zebi qui lance vers le filet et marque. J'aimerais remarquer que depuis que j'ai chanté les dithyrambes à Zebi dans le chat, on revient d'attaque ici et les gens commencent à sortir les noms de Pandore, les noms de l'OJDZ. J'ai eu la faveur de Chucky par contre et c'est tout ce que j'ai besoin pour dormir heureux ce soir. Alors que l'OJDZ, quand on dit son nom, remporte la mise au jeu, renvoie dans le coin et bump Evasive tout en un. It's Jordan à partir du coin, ne peut que regarder la déconfiture de son équipe continuer à s'étendre sur la toast, une déconfiture plutôt acide, car c'est maintenant 6-0 pour l'UDM. Allez, c'est une performance. On a eu un bump aussi devant le filet, donc ça joue physique aussi du côté de l'UDM, faut faire attention. Et effectivement, je pense que Augusta nous a pris un peu à la légère pour le premier match, mais là ils se font réveiller d'une solide façon là, alors que Zebi tente le backboard. Il passe devant, c'est raté de près. Et là, dégagement. Oh! On ne semble pas avoir beaucoup de boost du côté de Lucia. Évidemment, évasif qui dégage. Et c'est rejoint. Oh non! Pandore rate le fil de ballon. Et là, c'est Jordan qui en profite. Il va ajouter un but à son équipe. Va falloir. Et c'est toute une pente à remonter du côté de Lucia là. Va falloir se réveiller. Va falloir se réveiller par contre. Va falloir se réveiller très fortement pour Augusta. 2 minutes et demie, 5 buts, ça se fait en ones, mais en threes, est-ce que ça se fait? Pas avec la défensive qu'on a vue de la part de UDM pour l'instant, mais faut continuer à s'appliquer alors que Pandore sert une belle passe qui sera ratée de peu par Zebi, se fait devancer par, je crois, Saoui qui est maintenant toujours dans les airs. Lobe le ballon dans les airs, c'est repris sans danger par Zebi. L'OGDZ poursuit, retire le ballon à Edge Jordan sur le mur. Et maintenant, c'est un peu de cafouillage ici en zone défensive de la part de Augusta University, mais on s'en sort sans trop de dommages. L'OJDZ monte vers le ballon, sert une passe au center, mais Pandore est allé chercher du boost. Mentionnons que Augusta University nous a présenté deux flip reset lors du premier match, alors que Zebi, sortant du coin, voit son opportunité alors que le ballon a été placé en territoire dangereux avec un clear que Evasive voudra certainement regarder à nouveau. Pour rendre ça 7-1, j'allais dire, on a vu un quasi double flip reset dans le premier match de Augusta University. Et c'est certain qu'ici à l'UDM,
On n'a pas de joueurs capables de faire les zéro flip reset, mais qu'est-ce qu'on a? C'est de la chimie, du jeu d'équipe et des tactiques. Et on voit tout ça apparaître ici dans un deuxième match qui montre toute la complexité et toute la qualité du jeu ici de notre équipe Open à l'UDM. Un jeu en territoire défensif, territoire neutre et territoire offensif qui tout simplement asphyxie Augusta University, qui a présentement de la misère tout simplement à sortir de son territoire, Sam the Goon. Effectivement, et oui, c'est une chose faire des flips reset, mais c'est une autre chose sortir de son territoire. Et quand on subit la pression des joueurs comme Pandore, là où je disais, ils sont très agressifs en milieu de terrain, ben, c'est extrêmement difficile de montrer ses mécaniques parce qu'on peut tout simplement pas les utiliser quand on est pris dans notre territoire, surtout si on n'a pas de boost. Donc, excellent travail du côté de l'UDM pour bloquer les joueurs de talent de l'autre côté. Alors qu'on retourne le ballon du côté d'Ulissa et pendant qu'il met de la pression, Zebi tente le tir, c'est raté. L'autre GDZ renvoie au backboard, c'est raté de près par Zebi. L'autre GDZ renvoie un peu mollement le ballon vers Saoui. Bien placé cependant, l'autre GDZ remet vers Pandore. Fin le balle, la touche sur le ballon et là c'est Saoui qui dégage. Zebi. De reculons, laisse le ballon vers l'arrière et pendant qu'il rate le ballon dans les airs, est-ce qu'on aura un tir évasif qui marque à 18 secondes de la fin? C'est trop peu trop tard, 7 à 2 la marque. Alors, 7 à 2 avec 18 secondes restantes, et effectivement, il nous faudrait un but à chaque 3 secondes. Ça semble être trop peu trop tard, comme tu l'as dit, pour Augusta University, mais voyons si UDM Esports peut terminer ce match avec le même jeu dominant qu'on a vu au début. Ça l'augurerait bien pour le troisième match de cette série qui s'annonce d'une égalité 1 à 1 alors qu'on joue en terrain ici de l'UDM. On tente de garder dans les airs de la part de Augusta University, mais c'est raté par, je crois, Evasive en milieu de terrain. Alors que Chucky dit, le commentateur fait des maths encore plus vite que ma calculatrice, mais c'était pas exactement 3 secondes, je pense que c'était plutôt comme 3.28, mais je vais me mettre ready pour le prochain match, car ça, la calculatrice peut le faire plus rapidement que moi, et faudrait pas que je me fasse honte. Alors, Zebi ici, je ne le connais personnellement, Tim, mais peux-tu nous dire si la photo de profil qu'on aperçoit ici de Zebi est le visage de Zebi, ou c'est le visage d'un homme quelconque sur la planète Terre qui a le bonheur de partager la photo de profil de Zebi? Non, c'est pas Zebi en personne. Je crois que c'est un de ses professeurs du secondaire, si je me souviens bien. Mais ouais, je crois que c'est un petit mime dans son groupe d'amis. Je sais que Kenneth aussi il l'a eu comme prof. Ou... En tout cas. Oh mon dieu, ça c'est veut pas, dire. C'est pas le logo de l'UDM, mais c'est encore plus intimidant pour l'autre équipe. Bien dit, c'est une moustache qui fait frémir les chines. Alors, Pandore qui nous rock un autre superbe véhicule. Mon Dieu, Pandore renvoie ici sur le côté à l'OJDZ. Zebi assure la défensive, réussit à avoir juste assez de ballon pour empêcher un but de la part de Gustav University. Et ensuite, c'est Pandore qui réalise l'arrêt. L'OJDZ, qui a aussi un beau véhicule, style un peu asiatique avec les branches, renvoie dans le coin. Saoui est maintenant dans le no man's land, quasiment le filet de UDM. Se ressaisit à temps pour que l'OJDZ renvoie le ballon avec une superbe passe directement sur le capot de Zebi. Et Pandore marque le premier but du match, nous envoie à nouveau dans l'espace avec tout un jeu. Explique-nous ça, Sam the Goon. Oui, juste avant de commenter ce super but, Pandore juste ajouter le plus 1 sur la barre de l'UDM. Car chance... c'est 1 à 1 pour les matchs. Une chance que t'es là, Sam the Goon. Que ferais-je sans ta présence? Ah, tu fais ça. Alors que l'OJDZ tente de marquer, c'est raté de près. Et Saoui laisse pour son coéquipier Jordan. C'est bloqué encore une fois par Pandore, très agressif, s'en va pour une démo, c'est raté. Zebi a de l'espace vers le backboard, tente la démo aussi. Et là, on joue pour les démos là, du côté de l'UDM. On sent que Augusta sont très reculés dans leur territoire, on a de l'espace, donc on en profite. Alors que Pandore dans les airs. Ça a une passe vers Zebi. Zebi au centre du terrain. C'est récupéré par Saoui. Saoui n'a pas aucun boost dans son réservoir. Tente de faire quelque chose. Mais c'est aussitôt récupéré par Pandore le tir.
Oh, c'est arrêté de près par Augusta, c'était Jordan. Alors que l'OG disait récupère sur le mur. Aucun boost dans son réservoir, lui non plus. Et Pandore, aussitôt, challenge sur Augusta. Et c'est Jordan qui récupère, bloqué aussitôt par Zebby. Zebby dans son coin, n'a pas de boost, laisse plutôt pour Pandore. Et finalement, c'est l'OG disait dans les airs. Tente une passe vers le backboard, c'est récupéré par Jordan. Se fait bloquer, mais continue la pression. Et là, c'est attention Zebby, pas le début en stupidité, c'est raté. Alors que Pandore récupère, s'amène pour faire une passe à Zebby. Oh, c'est raté de près. Et l'OG Z est devant le filet. Mais c'est bloqué par Augusta. Saoui, dégage. Vers le filet du DM. L'OG Z, un peu de confusion en défense ici. Finalement, c'est récupéré par Pandore. Pandore tente de faire quelque chose sans boost. Et aussitôt Zebby dans les airs. C'est bloqué. L'OG Z dégage. Et là, on semble prendre notre temps du côté d'Augusta. Et on recule. Et Jordan tente de faire quelque chose lui-même. Bloque le ballon. L'OG Z tente le bloc. C'est raté de près. Et Zebby, 50-50. L'OG Z reprend dans les airs. L'envoie vers la gauche. C'est repris par Evasive. Mauvaise touche ici. Il redonne directement le ballon à Pandore. Pandore tente la passe. C'est raté. Et Saoui qui dégage. Et là, Zebby qui bloque le Oh! ballon. En boost. Saoui qui se fait bumper par Zebby jusqu'au Shawinigan. Et là, Zebby qui dégage, récupère le boost. C'est bloqué par Jordan. L'OG Dizel remet en milieu de terrain. Mauvaise touche de la part de Zebby qui remet directement à Saoui. Saoui sur le mur. Tente de contourner pendant c'est raté. L'OG Dizel bloque le ballon. Et c'est récupéré par Zebby. Évite de près évasive. Et Oh! pendant devant le filet. Oh! Passe arrière vers l'OG Oh Dizel. mon Tire le Dieu! but! Quel Quel jeu! jeu! Alors, voyons ici Pandore qui va pour le bump, ensuite backpass à l'OJDZ qui complète bien sûr. Quel tic-tac-toe et jeu d'équipe. Effectivement, Rocket League, ce n'est pas d'être capable de faire des flip resets, c'est d'être capable de jouer en équipe et occasionnellement faire le flip reset. Alors, 2-0 ici UDM qui ajoute un but d'assurance alors qu'il reste 1 minute et 11 secondes au match. Evasive toutefois veut nous rappeler que son ping malheureusement est toujours au cime de ce monde alors que Zebby nous fait un clear de toute vitesse, il tente de suivre le ballon, ne saura le rattraper. JDZ renvoie au milieu pour Pandore qui tente un tir bas qui a failli déjouer It's Jordan qui nous ramène ça sur le mur par contre. Beau ball control, suivi d'un flip reset, suivi d'un double flip reset qui touche le coin du filet. Ensuite, place son véhicule dans une mauvaise position qui permettra à l'OGDZ, sinon de marquer, de démouer It's Saoui qui retourne à Shawinigan. Bon, alors, Pandore avec son beau véhicule revient faire la rotation avec l'OGDZ, double rotation ici. Dans le filet, on est prêt, on est en zone défensive. L'OGDZ et Zebby qui pushent maintenant en milieu de terrain. Alors que It's Jordan tente un tir, c'est bloqué par It's l'OGDZ qui va aller juste au-dessus de la tête du défenseur et nous ramener ça dans le filet. C'est 3-0 avec 16 secondes restantes, Team de Goon. Et rien ne va plus du côté d'Ubisoft. C'est maintenant 3-0. Et là, on cherche des solutions. Là. On tente des mécanismes, mais ça marchera pas contre ces trois joueurs-là de l'UDM. La défensive est à point. Et là, c'est Zebby qui va à la mise au jeu. Jordan qui tente quelque chose à partir du plafond. C'est bloqué aussitôt par l'OGDZ. Très patient. On les laisse contrôler le ballon, mais dès que ça arrive proche du filet, l'UDM est là et c'est pas suffisant du côté d'Obsidian en ce moment. Là. Alors que l'UDM remporte une deuxième victoire de suite. Il n'y en manque plus qu'une pour remporter la série. Et on va se Effectivement. déplacer du côté de Wasteland Knight pour le match numéro 4. Oh! Coach, qu'est-ce que tu nous dirais est la principale faille qu'on peut apercevoir de la part d'Augusta qui semblait pourtant si puissant, si intimidant lors du premier match et qui maintenant montre des failles, des faiblesses qui semblent parfois inexplicables pour des joueurs de leur calibre, du moins calibre mécanique?
Ouais, ben en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième match. On dirait qu'ils se sont assis sur leur laurier, puis ça, on dirait que ça challenge plus. On se fait prendre de vitesse par l'UDM, puis même si on essaie un peu de mécanisme, on sent que ça manque de finition du côté des Bristol. Donc, je sais pas si on a un coach dans le Discord qui peut les aider avec ça, mais va falloir que ça arrive vite parce que là, on a eu au match point du côté de l'UDM. Alors que Zebi a changé son véhicule. Et l'OGZ prend la mise au jeu. Nouveau véhicule de Zebi qui fait sa première touche au ballon ici, alors que Pantor, dans le coin, s'assure de faire tellement peur à Saoui qu'il bloque sa propre touche. Alors, passe vers le milieu qui deviendra une tentative de démo par, je crois que c'était Pandore, mais nul besoin car Zebi complète à lui seul. Encore une fois, on semble être soit en train de faire du ball watching, soit du boost watching à Augusta. Rien ne va plus, Sindagoon. Effectivement, et on a vu un drôle de saut de la part de Jordan devant le filet. On dirait qu'il n'a tout simplement pas flip. Donc, et là, attention, un double commit. Saoui dans les airs, passe vers le coin, c'est l'OGDZ qui attrape le ballon. Contrôle dans le coin. Tente la passe vers le backboard, c'est récupéré par Jordan dans les airs. Il y a de la vitesse, il zébit très patient. Le contourne, il passe vers le milieu de terrain. Saoui récupère, pas beaucoup de boost dans son réservoir. Et l'OGZ est bien placé dans le coin. Il récupère le ballon. 50-50. Ne peut récupérer le ballon. Il va laisser pour Pandore qui finalement décide de retourner en défense. Saoui tente de bloquer, c'est raté. Attention, un contre un. Le tir, c'est bloqué par Jordan. Et Pandore qui récupère aussitôt. Pandore tente la passe vers le milieu de terrain, c'est raté. L'OGZ est très patient au milieu de terrain. Et Zebi qui récupère. Continue la pression. Là, c'est Saoui qui dégage. Pas assez de boost encore une fois pour faire un jeu qui a de l'allure. Et pendant, attention, la pression. Oh, et Saoui qui marque. C'est 1 à 1. Saoui qui nous ramène à l'égalité alors qu'il y avait un double commit sur le clear de la part de Pandore et l'autre JDZ. Un peu plus tôt dans le jeu, j'ai vu toute une technique pour revenir sur le mur de la part de l'autre JDZ. Juste le souligner, beau mécanique dans les airs. L'autre JDZ qui n'est pas le plus flashy. Dans son jeu offensif, mais dans le talent sur le terrain, le positionnement et le mouvement très 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 précis, très économe. Je l'ai vu l'OJDZ et je saurai en rêver ce soir. Bon, alors, Zebi, dans le coin, joue un peu de va-et-vient avec Augusta University qui finalement en aura le bol et renvoie en territoire de l'UDM. C'est quasiment un double commit, mais qui malheureusement qui se réalise pas, c'est qui est heureux, mais maintenant c'est quasiment un triple commit alors qu'il faudra revenir rapidement au filet. C'est fait par Pandore, le ballon est renvoyé dans le coin. Pandore s'assure de gagner son 50 pour renvoyer vers le boost de Ghost et l'autre JDZ le suit, sagement préfère le ballon au boost alors que Zebi marque à partir du mur gauche. Il a lu le jeu et il a trouvé l'angle en une fraction d'instant pour nous ramener avance 2-1 UDM vers Augusta Sindagoon. Oui, quel tir de Zebi à partir du mur et la vitesse que le ballon avait, impossible à arrêter du côté d'Augusta. Donc, faut faire attention à Zebi. Il est très dangereux ce soir, notre nouvelle recrue. Donc, il faudra surveiller. Alors que là, c'est Augusta qui presque a marqué un but et l'OGZ reprend pendant le suite très près. L'OGZ laisse le ballon, personne ne semble en vouloir, là c'est Zebi. Contourne le filet, démo un défenseur, alors que c'est repris par Jordan, le flic. Et c'est arrêté par l'OGZ qui était bien placé. Et l'OGZ continue, sans boost. Pendant récupère, lui non plus n'a pas de boost dans son réservoir. Faut leur faire attention, on sent booster du côté du DM, alors que Zebi dégage, contourne deux joueurs en même temps. Il tente de bloquer Jordan, c'est presque réussi. Il a tout le moins dérangé assez pour empêcher une attaque. Et là, c'est l'OGDZ contre évasive. L'OGDZ poursuit. Tente de provoquer quelque chose devant le filet. Et là, c'est un double commit du côté de Lusa. Oh, et un gros miss dans le milieu de terrain. Et Pandore qui marque. Pandore. En fait, la confusion dans le milieu de terrain. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh! Et je crois que Zebi s'en allait pour le ballon, a raté et ça,
Effectivement. Ça a été condensé tout le monde du côté d'Augusta. Je crois qu'on a tout simplement whiff de la part d'Augusta, alors que ensuite Zebi se préparait pour le 50. Bien sûr, ne s'attendait pas à ce qu'on whiff de la part d'Augusta, donc a lui-même transformé son jeu en fake, ce qui a permis à Pandore de retrouver un filet désert. Et parlant de filet désert, mesdames et messieurs, faut pas en donner un à Zebi, car il ne les rate pas. C'est 4-1, UDM vers Augusta University. Beau jeu avec, bien sûr, la rotation du véhicule pour assurer la précision et la hauteur du tir que le défenseur ne pouvait rejoindre. L'OJDZ à la mise au jeu, 50-50 avec It's Jordan, qui permet à Zebi de récupérer et de renvoyer une superbe passe à l'OJDZ qui poursuit le ballon et tente une passe un peu trop pimentée pour Pandore, qui récupère le ballon. Et au rat de presse que je crois allait être un backflip à partir d'en dessous du ballon pour le ramener dans la hauteur, mais pas besoin parce que Zebi est là et il ramasse qu'est-ce qu'on échappe et il met dans les poubelles. Et c'est un but, mesdames et messieurs. 5-1, UDM vers Augusta. C'est seulement un but, c'est son quatrième but pour notre recrue. Donc même chose que pour la team 1, Timo qui avait marqué 4 buts au match numéro 3. Donc nos recrues sont en forme ce soir, ils veulent se montrer de quoi ils sont capables. Est-ce que une victoire en perspective là. Est-ce que secrètement Zebi et Kimo pourraient être la même personne jouant dans les deux équipes? Est-ce possible? On les a jamais vus dans la même pièce, donc c'est très possible. Est-ce que secrètement dans la photo de profil, l'homme c'est Kimo et la moustache c'est Zebi? Je sors ça comme théorie du complot, c'est à vous, chat, d'aller me prouver ceci ou le déprouver. Sur ces belles paroles, l'OGZ qui tente de récupérer, et là c'est Pandore. Une touche importante sur son backboard, c'est récupéré par Zebi qui passe vers Pandore. Pandore n'a pas de boost, laisse pour l'OGZ, belle communication ici. Et là c'est... on est très patient. On tente de trouver quelque chose qui fonctionne chez Augusta, mais trop peu, trop tard. C'est 6-1, 30 secondes à faire. Jordan, un tir lobé, ça touche la barre horizontale et c'est dégagé par l'IDM. Zebi, dans les airs, tente de poursuivre, c'est raté. Là, c'est Pandore qui devrait faire vite. Oh, c'est raté de près. Mais c'est trop peu, trop tard. 6-2 la marque. It's Jordan. Rattrape un peu l'honneur de Augusta University, mais malheureusement, leur beau logo de castor devra retraiter en larmes, car avec 19 secondes, c'est 6-2 UDM. L'OJDZ prend la mise au jeu. Ah, un subtil fake pour permettre à Pandore de ressaisir et envoyer avec un rebond que Zebi va saisir. L'OJDZ lui venait à partir du mur. Rien ne s'ensuit. Alors qu'on cafouille chez Augusta University, on tente une dernière attaque qui s'essouffle avant même d'avoir traversé la mi-terrain. Les GGs sortent dans le chat avec même un petit cœur. On est de bons joueurs de la part d'Augusta University. On les salue bien sûr, comme toujours. Et avec cela, la troisième barre y est et c'est la victoire. Do y'all save VODs for Twitch? Yes, dit Sim the Goon. Et une chance qu'il était là, car je ne sais pas c'est quoi VOD. Et on va revenir bien sûr à votre écran préféré, c'est certain. Je l'appelle bien sûr le OnlyFans screen, parce que c'est Only pour vous les fans. On nous voit, bien sûr. Tiki, Sim, we're here. Et on a une deuxième victoire en autant de matchs. À vous, bien sûr, récapituler ici une victoire cette fois-ci contre Augusta, tout simplement à cacher hein, le premier logo. Oh, mauvais logo. Cacher le premier logo et garder le même score car un autre. Non, c'est pas un autre balayage. Voyons, c'est 3-1. Qu'est-ce que je dis, moi? Bon, Sim, pendant que je retrouve mes esprits, là, donne-nous tes pensées là, à vif après ces 4 matchs de l'équipe Open. Ben, je dois dire, toute une performance de notre Team 2 ce soir. Je m'attendais pas à des scores aussi élevés. Surtout là, au dernier match, 6-2, c'est toute une défaite de la part d'Augusta. Et on dirait que la chimie s'est déjà bien installée du côté de l'UDM. Donc, j'ai bien hâte d'avoir le ressenti de mes joueurs dans le Discord après le live.
Et ouais, je suis très content de mes joueurs. J'ai hâte de continuer à pratiquer avec eux. Et je sens qu'on a plus de chances de faire les séries cette année. Nos joueurs se connaissent plus. On a beaucoup de talent aussi avec nos deux nouveaux joueurs. Donc ça promet pour la suite. Oui, on a des gens dans le chat, bon, qui nous scannent des demandes d'interview. Malheureusement, je ne crois pas que ça avait été planifié pour ces matchs. Il faudrait que ça soit fait ad hoc pour qu'on y parvienne. Sim the Goon, est-ce qu'il y a des volontaires parmi les joueurs ou si ils ont bien le droit à leur biscuit de ma grand-mère après la victoire quand même? On ne veut pas les forcer. Pour ce soir, je pense qu'on va laisser faire pour l'interview, mais on peut faire un vote dans le chat sur qui vous voulez le voir pour la semaine prochaine. On va essayer de planifier quelque chose là-dessus. On Ah semble oui. avoir beaucoup de zébis dans le chat. Je sens qu'on a déjà notre gagnant pour la semaine prochaine. Ah, j'avais vu quelques fans là, de Pandore et l'OJDZ. Montrez-vous. Sinon, moi, je vous donne 10 secondes, là, parce qu'à date, on est à 4 zébis. Bon, 5 zébis pour un Pandore, ne pas le nez creux. Requiem. Deux pandas, mais ça sera trop peu, trop tard, je pense, car les zébis s'additionnent. On a Yacine qui arrive avec Kimo. Il était même pas dans les choix, c'est une autre équipe. Mais oui, effectivement, Faudra l'a interviewé, car il a livré toute une performance. Kimo, tout d'un coup, qui monte un comeback. Mais bien sûr, Zébi, avec bien sûr ses 10 votes, aura remporté. Ça semble, bon, les désirs semblent être Zébi pour l'équipe 2 et Kimo pour l'équipe 1, si possible. On vous arrangera ça. Nos Sinon, deux recrues en plus, donc ben oui, parfait pour ben la semaine oui. prochaine. On vous arrange un interview avec nos deux recrues. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux, Sim? C'est un monde gouverné par les jeunes de nos jours. Donc, les anciens joueurs de Rocket League comme toi, là, c'est plus à la mode, là. Qu'est-ce qu'on veut voir? Yacine qui me dit, t'es beau quand même. Merci Yacine. C'est très apprécié. Effectivement. Ben, en tout cas, ce n'est pas la beauté des commentateurs ni la beauté des véhicules qui manquaient aujourd'hui. Parce que on a vu de tout. On a vu la Proteus qu'il faut quand même que je souligne à nouveau parce que vous n'allez sûrement pas en voir une autre de la saison. Ensuite, on a vu bon, un véhicule de FaZe qui est sorti pendant. C'était Captain Polo, je pense, FaZe, pendant vos matchs d'équipe 1, que je le rappelle, a remporté 3-0 contre Maryville. Esports. Et ensuite, bon, équipe B, on a vu Panda qui nous a sorti deux beaux véhicules, l'un blanc orné de mauve et l'autre parfaitement mauve. Et Zebi, bien sûr, le bien-aimé de notre chat, le gagnant du vote populaire du chat aujourd'hui, qui rockait un véhicule assez intéressant, un véhicule couleur crème avec, bien sûr, le fameux Lime Octane avec les scratchs sur le côté, c'est un style hétérodoxe, mais c'est un style qui fonctionnait parce que dès que j'ai remarqué le Lime Octane, j'ai juste eu en tête tous mes beaux moments passés à écouter les Musty Moomins et ça m'a juste ramené tant de moments larmoyants en cœur. Donc, sur mes paroles errantes, est-ce que tu as quelques dernières là, pensées pour la soirée? Dernier mot de sagesse pour nous, au grand Sim de Goon. Juste faire un petit placement de produit ici pour nos décals officiels de l'UDM. S'il y en a qui jouent à Rocket League, juste rejoindre le Discord officiel du club d'e-sport de l'UDM. Nos nouveaux décals, non seulement les noirs, mais aussi les blancs qui viennent d'être ajoutés cette semaine. Donc, si vous voulez arborer fièrement les couleurs de l'UDM en jeu dans Rocket League, vous pouvez downloader ça. C'est gratuit. Et ça me fait plaisir d'avoir travaillé là-dessus. Donc, je crois qu'ils Attendez, sont attendez, assez bien réussis. c'est dans Décal UDM. Je vais aller nous le montrer là tout de suite. Je crois que la majorité des gens, bon, ont vu les décals bleus. Elles ont été dans le Discord pendant un temps, mais c'est tout nouveau les décals blanches. Et franchement, c'est de toute beauté. Donc laissez-moi vous en présenter celle de la Fennec ici là. Donc tu peux continuer à parler, ça me semble prendre un temps à découdre ça là, mais ça arrive dans moins d'une minute, je vous dirais. Ok, ben et sinon, merci à tout le monde qui a été là dans le chat. C'est vraiment apprécié de voir que vous êtes là avec nous puis que vous voulez nous encourager. J'ai mis beaucoup de temps et d'argent aussi pour faire le stream.
On a payé quelqu'un pour faire les decals et l'overlay, tout ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc, j'ai mis beaucoup de temps et d'efforts. Et ça me fait plaisir que vous appréciez le stream. Je suis vraiment content d'être là. Puis en espérant que vous allez être là la semaine prochaine, lundi soir. Et peut-être en primeur aussi, je peux vous dire qu'on a potentiellement des streams de League of Legends qui s'en viennent bientôt. Donc, restez à l'affût. Et n'hésitez pas à nous follow si vous ne l'avez pas encore fait. C'est très apprécié. Et on semble se diriger vers un Twitch affilié bientôt, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, on a 54 followers ici à la fin de notre premier stream. On avait débuté avec 39, alors non seulement on a dépassé le niveau tant important de 40, on l'a dépassé de belle manière avec notre dernier follower il y a 4 minutes et Dishwasher qui s'est rajouté. Merci pour le follow, alors qu'on voit dans le coin de l'écran la Fennec en blanc. Ici, Requiem vient tout juste de follow pour augmenter notre nombre à 55. Ça devrait actualiser bientôt sur l'écran. Alors, question de conclure ici la soirée. On va rappeler bien sûr les scores pour ceux qui seraient peut-être arrivés un peu en retard. Première série de matchs a été gagnée en 3 matchs par notre équipe Challenger composée de Sim the Goon, le nouvel arrivé Kimo et notre bien-aimé de France, Captain Polo. Et Kinghead, bien sûr, pour ceux qui aimaient bien votre MVP, était sur le banc, mais a quand même fait son apparition pour saluer et tendre le flambeau d'MVP, du moins pour ses premiers matchs, à Kimo. Et ensuite, notre deuxième recrue, Zebi, s'est emparé de ce flambeau-là sans même demander. S'est emparé des cœurs de notre chat, alors que Raph Daresh nous dit yo à partir du chat et nous dit Pandore for President, I can get behind that ticket. Sim the Goon, où es-tu? Ouais, Sim the Goon va parler bientôt, inquiétez-vous pas. Faut juste que je réalise mon quota de parole en premier. Donc, voici. Donc, 3-0, bien sûr, pour la première série de matchs contre Maryville University de Scranton en Pennsylvanie. Et il nous manque déjà petit crap clap. Ah oui, ben, il me manque aussi, il me manque aussi. Vous voyez son regard penaud freeze dans le stream. Ça, c'est, je pense, parce qu'il y a juste un léger glitch là. Ah voilà, il est revenu là, vous le voyez. Il est vivant, il n'est pas mort. Alors ensuite, 3-1 contre Augusta University. Un premier match qui est allé à la faveur d'Augusta University. Et ensuite, 3 matchs de suite gagnés sans contrefaçon, véritablement, là, je dirais, de manière aussi dominante que l'équipe Challenger au final. Des matchs là, avec 6, 7, 8 buts pour, bien sûr, notre équipe Open composée aujourd'hui de Zebi, LoJDZ et Pandore. Sur le banc était Mouchoir, mais le Mouchoir est prêt à sortir de la poche du veston pour le prochain match, bien sûr, car maintenant on a des remplaçants dans nos équipes. On est rendu là et on est rendu là, bien sûr, avec votre aide Twitch Chat. Hein, vous êtes bien sûr le moteur qui fait rouler hein, ceci et qui motive nos joueurs et commentateurs de continuer à exceller pour vous offrir les excellentes performances d'ici. Donc, Sim the Goon, puisque c'est ta première fois à faire du commentating et bien sûr à nous présenter tous ta légendaire crinière de menton, je vais te laisser conclure ici, là, conclure notre stream. Merci pour cette introduction, Tiki. Alors, moi et ma crinière de visage, on vous souhaite une excellente soirée et on espère que vous serez de retour lundi prochain ou peut-être une autre date. Ça va être à confirmer pour la semaine prochaine, donc pour les prochains matchs de l'UDM eSports. Suivez le Et Discord pour être au courant des dates. suivez le Discord et aussi suivez notre page Facebook qui est en bas ici de l'overlay. Donc, pour rien manquer de ce qui se passe à l'UDM et pour l'eSports. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à la semaine prochaine.